On a sorti, bien sûr, notre grande collection de marionnettes. On a les cinémas d'animation en Suisse. C'est vraiment une fierté de la production cinématographique suisse. Et ça, c'est un des films les plus connus, l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma suisse. Ma vie de courgette, film d'animation qui était nommé aux Oscars il y a quelques années. Des appareils, bien sûr, on a à peu près 3000 appareils et objets dans nos collections. Et si vous voyez la H16 Bolex, qui est une caméra suisse d'une entreprise qui s'appelle Paillard, et qui est une caméra mythique, légendaire. Notamment, cette marque a été connue pour le cinéma amateur, mais il y a beaucoup de cinéastes professionnels et de cinéastes expérimentaux qui l'ont utilisé, ou ont appris à filmer en utilisant Il n'y cette aurait pas de caméra. nouvelles vagues sans la Bolex, non? Il avait beaucoup de choses qu'il n'aurait pas sans la Bolex. Il n'avait même pas Spielberg. Si vous avez vu dans le dernier film de Spielberg, il utilise un Bolex parce que c'est avec une caméra Bolex qu'il a appris à filmer lui aux États-Unis quand il était jeune. Je pense que les défis auxquels Freddy Buash a dû faire face sont un peu les mêmes, simplement avec des dimensions différentes. Au tout début, quand Freddy Buash a commencé à s'occuper de la Cinémathèque suisse, elle n'avait pas de locaux, elle n'avait pas de salle. Peu à peu, il a dû se battre pour obtenir des locaux, d'abord près de la cathédrale, après ici même. Les premières salles véritables de la Cinémathèque suisse, c'est en 81, ici. Avant, ils faisaient les projections dans une aula de collège ou à la Maison du Peuple encore. Et puis après, ça a été les archives. Il a donc été le premier à essayer de constituer de vraies archives avec un vrai lieu à Pantin. Et donc, quelque part, moi, ce que j'ai fait, c'est continuer quelque chose que Hervé Dumont avait développé, c'est le projet de construction de nouvelles archives, toujours à Pantin, dans le bâtiment, mais complètement transformé et complètement réagrandi, dans ce que sont aujourd'hui les nouvelles archives, le centre de recherche et d'archivage de Pantin. Non, le seul défi auquel j'ai dû faire face et auquel ni Dumont ni Buash n'ont fait face, c'est le numérique. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, on était déjà avec l'arrivée du numérique qui nous pendait au nez, et donc il a fallu transformer le bâtiment pour intégrer le numérique, et ça, c'était pas prévu au départ. Donc j'ai dû de nouveau me battre pour obtenir des locaux, des espaces, des technologies pour nous permettre d'archiver le numérique, de traiter le numérique, de numériser les œuvres. Et donc au fond, le virage numérique, ça a été un virage important que j'ai dû faire et que eux n'ont pas dû faire.